La mairie centrale poursuit ses activités dans le cadre de l'assainissement de la ville de N'Djamena. Elle a lancé, depuis l'aéroport international Hassan Diamouz, une opération de pulvérisation des insecticides par la voie aérienne sur la ville de N'Djamena. Ces insecticides, appelés malations, sont un produit qui tue les moustiques. Cette opération a été ajournée plusieurs fois. Le maire de la ville de N'Djamena explique les causes de ces reports. Comme nous l'avons annoncé il y a de cela quelques jours, que nous devrons logiquement lancer la pulvérisation aérienne, surtout la domestication de la ville, le mardi. Et compte tenu de la situation météorologique, cela n'a pas eu lieu. Selon Ali Haroun, cette opération de pulvérisation aérienne des insecticides est rendue possible grâce à l'appui des plus hautes autorités du pays et des partenaires de la mairie centrale. Je pourrais également remercier très sincèrement les plus hautes autorités du pays, le gouvernement, qui nous ont appuyés pour que cet avion puisse arriver ici à N'Djamena avec les produits nécessaires homologués pour traiter la ville de N'Djamena. Il y a également le ministère de la Santé publique qui est en train de nous appuyer dans la ville avec des produits et la Croix-Rouge. Ils sont en train de pulvériser aussi les concessions. Cette opération de pulvérisation aérienne des insecticides sur la ville de N'Djamena durera une semaine. Le maire appelle les ménages à protéger les aliments durant la pulvérisation des malations sur la ville de N'Djamena.